Je te la fais la musique là. Tu chantes pas bien? Bon, ok, on arrête. Alors, du coup, tu nous en dis un peu plus? Alors, mon personnage, c'est Hatsune Miku, c'est un personnage virtuel du Japon, donc qui vient d'une musique. Et du coup, il y a plein de versions. Et puis, bah, du coup, là, je suis en Magique Admirée 2019. C'est comme les Pokémon, ça évolue. En plus, t'as pas ton propre micro, il marche pas? Oh, c'est dommage, il est beau. Tu es lourd. En plus, il est sans fil. Hein, je fais un clin d'œil à la technique, si l'année prochaine je peux avoir cette tranche. Ouais, je suis à fond. Hein. Ok. Le jury, des questions? Je les prends comme ça au pied de l'oreille. C'est que c'est libre, je me sollicite. Directement sur la peau d'une licorne vivante. Donc je me dis oui, j'ai bien les torchons. Oula, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, c'était Monsieur Chic à l'entrée. Celui qui faisait hop, hop pour les mains. Comment ça va? Bien? Ouais, c'est super pratique avec le masque. Est-ce que tu peux nous en dire plus des problèmes familiaux en ce moment? Ça va, ça s'est arrangé? Hey, je l'ai perdu. Sinon, on peut faire moite-moite, regarde comme ça. Un face-à-face, parfait. Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton costume? Alors, mon costume ne représente aucun personnage, c'est surtout la récupération en fait, de mes grands-parents. Il y a juste le chapeau que j'ai un petit peu customisé et la jupe que j'ai achetée. Alors, très cher docteur, comment ça va? Ça va très bien. Merveilleux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce costume? C'est très simple, c'est un costume que j'ai 100% acheté. C'est le principe de la catégorie. Je n'ai rien fait moi-même. Je crois que ça fait un moment que tu le portes. Environ 6 ans. 6 ans de personnages et tout comme ça, de conventions. Il a du vécu, il a déjà perdu des boutons. Il a déjà perdu des boutons. Les attaques de Dalek par exemple. Ça, ça fait toujours perdre quelques boutons. Pas le petit... Il y a beaucoup de choses dans les poches. C'est plus grand à l'intérieur, forcément. Le tournevis Sonic. Yeah! Quand on trouve plus la serrure la nuit, ça fait un peu de lumière. Sinon, j'ai le TARDIS, je l'ai réduit pour le mettre dans ma poche. C'est pratique, hein. Faut des trucs maintenant, ça ne donnera pas de marque. Au moins, comme ça, je ne me le fais pas voler. Comme ça, tu ne me le fais pas voler, exactement. Mesdames, messieurs le jury, des questions? Non, d'accord, très bien. Parfait, merci à toi. Peut-être tout de suite. Je te remercie. Ok. Lucas, docteur de la peste. Déjà, il y a deux trucs pour ce masque-là, pour que vous sachiez. Donc ça permettait de mettre des herbes dessus dedans pour la peste et tout. C'est surtout que ça dissuadait de faire la bise. Comme ça, on était peinard. Tu passes 5 minutes à faire le tour. Ok, est-ce qu'on va t'entendre? Wow. Ah oui, comment ça va? Ouais, ça va bien. Il y a un écho là-dedans de... Est-ce que tu veux bien sortir de ton tunnel, s'il te plaît? Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, attends, parce que je vois du... Oui, il y a un Big Mac là-dessus. Je vois du Harry Potter, là. Hein? J'ai l'œil, hein? J'ai l'œil. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le concept du personnage que tu as inventé? Ça vient de quel univers? Quelque chose comme ça? Non, c'est totalement inventé. Totalement inventé? Il y a un background? Il y a quelque chose avec? Ah non, c'était la clé. D'accord, lui, c'est dit Covid. C'est le moment. J'ai un concept, moi j'ai un truc. C'est totalement ça, moi j'ai fait une sensation intéressante. Ah bah là oui, je te confirme qu'on est bien. Hein. Parfait. Ok, alors on va avancer un tout petit peu. Comme ça tu vas pouvoir nous faire ton web. Yeah! La classe! Merci à toi! Ouais, fais gaffe l'escalier là-bas, comprends. Allez, je suis c'est vrai, il en gagne, parce que je bien. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai fait ce costume parce que j'aime beaucoup le film et ça change de tous les costumes Spider-Man original. Et puis mais là, j'en ai pas de Spider-Man. Il est parti Batman. Spider Batman. Ok, super. Tu l'as eu comment le costume? Ça fait un moment que tu l'as? J'ai eu par ma belle-sœur. Tu l'as eu par ta belle-sœur. Je vois un clin d'œil pas du tout discret là. La belle sœur qui est là-bas, là. Ok. Et ça fait un moment que tu portes? Pour le coup, c'est la première fois. Mais je pense que je vais
que c'est quand même vachement pratique pour rentrer chez soi le soir. Hop, là, ni vu ni connu, nickel. Ok, super. Des questions? Ouais, bah j'arrête avec cette demande. Hein. Très bien. Merci à toi. Peut-être à tout de suite. Ça va? Ça va. Vous avez entendu? Oui. Oui, non, mais, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est le basket ici? Comment ça va? Impeccable. Impeccable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce costume? Alors, bon, c'est un costume que j'ai acheté à plusieurs matchmakers au monde. D'accord, donc tu l'as acheté en plusieurs morceaux, c'est ça? Tu as fait un espèce de pêle-mêle, de reconstitution. En fait, tu t'es fait tes propres éditions Hachette, c'est-à-dire toutes les semaines, tu avais un numéro, tu montais le casque, le costume, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, super, c'est chouette, hein? Tu nous fais un petit effet de cap, là? Le pied de... Yeah! Ta-ta-ta-ta! Ouais, mais là, même Hitman, il rigole plus. Ok, super, merci à toi, peut-être à tout de suite. Tu peux nous dire sur ton personnage, sur ton costume? C'est Tao qui vient d'un jeu vidéo, ça vient de Genshin Impact. C'est un personnage de Shifu, Shiro. Et simplement je l'ai cosplay parce que c'est un de mes personnages préférés. J'aimerais beaucoup l'avoir dans mon équipe. C'est cosplay? C'est acheté ou c'est fait? Ah, c'est acheté, d'accord. Je dis, ah, je prends des catégories, ok. Donc, personnage de type feu, comme les Pokémon, c'est ça? Exactement. Exactement, c'est parfait, j'y connais rien. Qu'est-ce que tu dis? Ok, super, tu nous fais un petit effet de rock, là. Trop chouette, hein? C'est cool. Merci à toi. Tu es la dernière. On va pouvoir mettre la pression. Le classement? Mais non, elle est la dernière à passer sur scène. Non, j'influence pas, ils sont tous là en compétition. On va regarder la liste, peut-être. Tous sur scène? Bon, alors on va les rappeler tous sur scène. Si ça tombe, ça fera du spectacle. Alors dans l'ordre, ouais, bon tiens, ils ont déjà commencé. Amandine, Bérangère, Guillaume, Clémence, Marc, Andéal, Bocal, Lucas, Loreline, Clara, Thomas et Lilou. Venez, 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 venez. Il y a un moment, là-bas, il n'y a plus de scène. Allez, maintenant on fait une pyramide. Oula, attention, Kylo, mon fil. Attention. Hein? Monsieur le docteur. Voilà. Non, le joint. Voilà, ça y est. Ils vont avoir. Mais non, mais non. Voilà. Super. Bon, je dégage la vue. Mais non, je peux pas. C'est chaud, hein? Bonjour, on m'a demandé pourquoi je faisais l'animation, parce que j'avais pas envie d'être jury pour ce moment-là. La pression. Parce que là, il y en a qu'un ou une d'entre vous qui va repartir avec la gazinière Noveco. Et on a le docteur, regarde. Hop, 2-3 coups de tournevis, c'est bon. Vous en faites 4 tiers, la cuisinière. Faites tous un tour en même temps pour qu'on revoie les coups. Ouais, alors doucement parce que... Ouais, bah. Le jury de relou. Non, vous pouvez pas faire des pompes. Enfin, il y a un moment pour vous calmer. Mais déjà, l'autre avec son masque, il pourra pas faire des pompes, déjà. Bon, on a notre résultat. Ah, les yeux, là, ils sont juste en mode... Qui c'est qu'il a regardé le plus longtemps? Il a fait une demi-seconde sur elle de plus. Non, ne dis pas comme ça. La grande gagnante... Je déteste, il faut que je le prononce. Les Sujimiku. Ouais. Tu croyais pas, hein? Elle est toute rouge. Elle va changer de couleur de cheveux, t'es tout. Trop bien, tu peux avancer, hein. Alors, quand même, déjà, fair play. Bravo le fair play, parce que vous avez tous applaudi. Donc, merci. Et ça a pris un petit peu de temps de discuter avec eux, parce que... Est-ce qu'il y en a l'une d'entre vous qui peut venir sur scène? Non? D'accord. Est-ce que vous m'avez dit, c'était chaud? Alors, c'était chaud, parce qu'on n'était pas tous d'accord. On n'en avait aucun en commun au début. En France,
costumes sont incroyables et on partait pas sur les mêmes choses, voilà. Donc on a vraiment réussi à se mettre d'accord. Il a fallu trancher. Bravo à toi. Bravo aussi aux autres, vous n'avez pas démérité. C'est le jeu du concours, tu as gagné ta petite coupe de l'USS Gorgolem AGD 2021, tes petits lots. Merci pour votre participation, votre bonne humeur, votre travail. Je crois qu'on peut tous et toutes les applaudir. On ne descendait pas tout en même temps, parce que vous avez marqué tout. Et puis on va passer à la catégorie numéro 74. Alors, Ilan, Anticu, Ticou. Tiki, pourquoi ils m'ont bien eu? Ok, est-ce qu'on t'entend? Peut-être. Oh la vache! Oh le canon sonore, c'est merveilleux! Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que là, t'es dans la catégorie cosplay, je rappelle, hein, donc c'est maison. En fait, c'est un ami à moi qui en fait, et lui m'a fait pour mon anniversaire. Et, en fait, c'est mon sœur Zona, et c'est celui qui me représente dans la communauté Fury. Ok, dans la communauté Fury, du coup, l'énergie du bonhomme, je sais. Dedans, il vient de perdre 5 kilos juste de la tête en transpiration, là. Tu nous fais un petit tour? Mais non. Voilà. Il est venu en bus, comme ça. Ok, dans la commu, dans le délire Fury, depuis combien de temps? 3 ans, maintenant. 3 ans, ok. Et le costume, tu l'as depuis combien de temps? Depuis mai. Depuis mai, oui. D'accord. Ça, c'est encore un truc de ouf. Ok, merci à toi. Tu fais gaffe dans les marches quand tu descends, hein. Je pense que t'as l'habitude. On peut l'applaudir? Oui, je sais que c'est moi qui l'ai passé en sécu. Ça m'a pris une demi-heure de faire tout le bonhomme. Et après une demi-heure pour faire l'arbre. Wow! Tu vas. J'allais dire tu chasses l'éléphant, mais non, t'as un truc de plongée. L'éléphant de mer, non? Tu chasses à la resto? Non? Tu chasses dans l'air. Bonhomme, tu veux pas enlever ton... Voilà, ah, c'est mieux, hein. Oh, il y a un bonhomme en dessous. Salut. Dans l'espace. Dans l'espace. Ah oui, d'accord. Mais du coup, ça te sert à quoi, ça? Ça te sert à viser ou c'est un propulseur pour rentrer chez toi? Techniquement, ça sert à viser, mais ça sert aussi à propulseur. Ok, donc, on est toujours dans la catégorie cosplay. Fait maison. Fait maison. On fait des trucs de fou maintenant avec les imprimantes 3D. Hein. Intégralement, hein, t'as monté toutes les pièces et tout. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus sur le costume? Ça vient d'où, le personnage? Il y a un nom, un film, un univers? Le personnage est inventé. Il devra évoluer plus tard aussi. Exactement. Dans cette voie-là, d'ailleurs. On va voir les Pokémon. Non, des furies. Des furies? Attends. Viens à toi. On va faire un truc, hein, parce que j'essaie de... Non, ouais, bon, ok. Vas-y, monte. C'est bon, on a le place. Donc... Là, si je comprends bien, je vais servir de slash évolution. Donc, on va passer un moment de ça à ça. C'est ça? À peu près. Et le fusil aussi, il va devenir poilu? C'est une idée. Tu reviens l'année prochaine? Bah oui, bah, moi je reviens. Ouais. On verra l'évolution de l'ITI. Je veux dire, c'est une galère là. Ok, bah je pense qu'on peut l'applaudir. C'est ouf quand même, hein. Merci Flo, du coup. Fais gaffe toi parce que tu vas te faire chasser. Alors ensuite, les cosplays et tout, c'est tout du fait maison. Pourquoi t'es stressé? Faut pas être stressé, regarde. C'est toi le plus beau. Et je veux dire de là, quand même, les autres, il y a monsieur Banane. Ça va. Ouais, c'est les faux légumes. C'est vrai, effectivement. Est-ce que tu peux nous aider un peu plus sur le personnage, sur la création, le mélange univers? Ils sont encore en vie? Très rapidement, Proteus, quelle fois qu'il est sorti? C'est fait. Ok, c'est clair, il te restait un masque, tu l'as mis là. Bah oui, tu peux me tutoyer, je suis quand même pas assez vieux. Ouais, on s'en fout. Alors, du coup, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton costume cosplay, fait maison? Je suis Nausicaa de la Vallée du Vent. C'est un film d'Hayao Miyazaki, un animé. On a déjà eu l'exposé tout à l'heure, on a eu le CV complet. Ah bah ouais, ça fait une anti-sèche grave, hein. Elle avait bossé son truc comme un concours de maths. Depuis quand tu l'as ce costume, que tu l'as fabriqué? Et bah, je l'ai fait les jours précédents. Là, il n'y a pas longtemps? Oui.
Vache, il y a du boulot quand même, il y a combien de temps dessus? Il y a plusieurs jours, mais j'ai été aidée avec ma maman 80% si ce n'est plus. Ah la triche. Non, je dis comme ça. Maman qui fait la couture, les retouches, les... Ok, chouette, tu nous fais un petit tour? Ça, c'était beaucoup plus simple au contrôle. Ça passe mieux. Cool, chouette, avec le petit Pokémon. C'est pas un Pokémon, c'est un renard écureuil. Ça rentre dans une Pokéball, quoi. Merci à toi. Peut-être qu'on va te rappeler, du coup. A tout de suite. Ça va? Ouais, au revoir, enfin. Ça va? Ouais, nickel. Nickel. Du coup, tu nous en dis un peu plus, catégorie cosplay, tu fais maison, les répliques elles sont chouettes et tout, les potes, tout ça, même le casque. Même le casque, ouais. Le casque avec l'électronique dedans. Ouais. Les lumières. Tout fait maison et tout. Ah bah voilà. Voilà. Et ça se démonte. C'est du Ikea. Hein. Tu nous en dis un peu plus, pourquoi ce personnage, depuis quand Bah c'est quelqu'un que j'aime bien, surtout ma femme. On veut pas savoir, ça ne regarde pas, mais c'est un événement tout public. Non, c'est... Découvert avec le film ou plus... Avec le film, ouais. Sinon, ça fait... Costume, 3 ans. Ouais, 3 ans. Bon, tu le portes et tout, c'est fait rapidement, c'est de la récup à droite à gauche. Il y a beaucoup de récup, impression de 3D. Parfait, c'est question. Les répliques, on me demande si c'est de l'imprimante 3D. Oui, 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 c'est de l'imprimante 3D. C'est chouette, hein? C'est vachement bien. Ok, merci à toi. Bon, pourquoi ce Harley Quinn-là, qui fait débat, et pas... Parce qu'il est original, il change. D'accord, original, il change. Super, il est cool. Tu nous fais un... Ah. Alors du coup... Puisque, non, on se calme, vite à la redescendre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le costume, la création, la fabrication, depuis combien de temps? Alors la fabrication, c'est ma belle-sœur qui est là. La même belle-sœur que tout à l'heure? Du coup, c'est du tissu qu'on a vendu avec de la pub. Et la base, bah, c'est une base qu'on a fait. D'accord, donc couture, tissu, la base qui a été refaite, qui a été repeinte. Qui est en plastique, pourquoi c'est important? Parce que ça, la sécu, on vous dit, ok, c'est bon, vous pouvez passer. Et bah, t'envoies, bah, non. Le baseball, ce sera la semaine prochaine. Ok, super, des questions? J'adore vous enlever ça. Merci, je crois que c'était la dernière de la catégorie. Et donc, on va rappeler tout le monde sur scène. Allez. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Mais qui pourquoi tu... C'est pas parce que t'es en furie qu'il faut te foutre à poil? Ouais, je suis certain. Du coup, le jury, ça va être le moment de choisir, de voter. Ilan, JC, Kenny, Jérémy et Elisa. Et Solène. Solène. Bien vu. C'est un test. Oui, Solène. Viens, viens, approchez, approchez. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Vous allez tout chouette. C'est dur, c'est compliqué. Je suis coincé avec le fil. Alors, la gagnante de cette catégorie cosplay, on le redit, ça m'a été précisé, bien compliqué, il n'y a aucune d'entre vous qui a démérité, donc déjà, rien que pour ça, on peut vous applaudir. Et la gagnante, c'est Nausicaa Solène. Oui, c'est toi, tu peux avancer, allez bien. T'as gagné la gazinière et la machine à café l'espresso.
Ah non, bon bah ce sera une BD et une jolie coupe au cercle Galactic Days qui nous a été imprimée par Bureau Vallée. Encore merci à vous Bureau Vallée, on vous kiffe. Bravo Solène, bravo tous les participants, vous avez été géniaux, on peut les applaudir. Et j'ai un petit message pour toi, Hickman, je trouve très à son goût. Voilà, donc tu te débrouilles avec lui. Et je pense qu'entre un imberbe et un poilu, il va se passer des trucs merveilleux. Merci à vous, on va pouvoir passer. Ah, tu voulais faire un point? Il faut me couper, hein, faut me dire il peut passer, monsieur. Le présentateur, il change jamais. C'est bon? Un marion est volontaire, pardon. Du coup, oui, on a choisi Solène parce que je pense que sur la tenue, il y a, enfin, sur la tenue en général, il y a plusieurs figures. Ça se voit, il y a beaucoup de taf. Après, sur tous les autres aspects, franchement, on rentre pas sur tous géniaux. Et on voit que sur chacun des costumes, il y a du taf. Je suis cosplayeuse, je sais ce que c'est de passer des heures sur un costume. Donc voilà, vous étiez tous géniaux en tout cas, et puis ça se voit. Voilà. Dernière catégorie, propre. Merci. En fait, on est venu sur la Terre pour demander votre aide. Il suffit de voter pour nous. Vous pouvez applaudir très fort déjà. Ça va? Ouais. Impeccable. Ben moi je vote pas. Moi de ce côté-là je suis à l'abri. Donc comme vous le voyez, nous sommes un concours totalement respectable, sans aucune forme de pression sur notre jury. Non monsieur Hickman, veuillez ranger votre main, sortez-la de votre veste, nous avons des civils. Très bien. La Sériane, est-ce qu'il faut encore vous présenter? Je sais plus quoi. Non, je crois pas. J'ai entendu un nom là-bas. C'est bon, on en a marre. On n'en veut plus. La Sériane, c'est bon, on les connaît. Bien sûr, on va dire un petit mot quand même. Vive la résistance. On va dire un petit mot sur vous quand même. Regarde manger. Ça y est, voilà. Voilà pourquoi je vous disais oh non. Pourquoi je... Un genou, mets pas sur la tête. Bon, on fait comme l'année dernière, on vous laisse un bout dans le frigo, comme ça, vous mettez ce que vous voulez dedans. Je sais pas s'il va rentrer lui. Donc. On verra. Entre les hot dogs et les croque-monsieur, ça devait passer. Hein. Bon, on va dire un petit mot quand même sur la Sériane, vous présenter. Oui. L'association Sériane des Girondes existe depuis 2011. On ne loupe pas une seule convention à Auxerre parce qu'on tient à y être. Et vous pouvez compter sur nous. Exactement. Et d'ailleurs, je vous remercie pour votre fidélité. Vous n'êtes pas les seuls. Mais ça fait toujours plaisir de vous voir. Merci à vous. On peut les applaudir encore une fois. Plus fort ! Plus fort ! Merci à vous. Je vous invite à rejoindre, s'il vous plaît, le groupe de la scène. De courageux aventuriers qui voyagent à travers toute la galaxie, mesdames et messieurs, STFC Star Trek French Club, on peut applaudir s'il vous plaît. On rappelle, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est Alien, ça c'est Spock, Alien, Spock, Alien, Spock, Metallica, ok? Très bien, qui c'est qui prend la sucette, qui veut dire un mot sur votre association? Bah oui, hein, bah forcément, monsieur le président, monsieur le capitaine. Voilà, donc on existe depuis 2016 et c'est notre quatrième participation au Cercle Galactic Days. Donc on s'éclate à chaque fois qu'on vient ici, c'est génial. Voilà. C'est drôle parce que c'est la deuxième qui monte sur scène d'assaut et qui nous brosse dans le sens du poil. C'est très gentil. Mais du coup, un mot sur votre assaut, ce que vous faites, enfin, de combien vous êtes, votre costume de groupe réfléchi, tout ça. On essaie d'organiser donc, tous les fans de Star Trek en France. On a une soixantaine d'adhérents sur tout le territoire, on fait une quinzaine de conventions par an. Et donc moi, je suis en commandeur de Starfleet. Jean-Phi est en lieutenant commandeur de Starfleet aussi. Pauline, elle, c'est un costume fait maison. Voilà, donc elle est aussi un officier de Starfleet. Et on a notre clown, Thierry, qui est aussi en costume fait maison. Qui est naturellement comme ça. C'est une chance. Ok, super, c'est chouette quand même, les costumes de groupe comme ça,
Bravo, merci encore une fois de venir. Vous avez vu, cette fois-ci, on vous a pas mis le X-Wing au-dessus du temple. Oui, c'est gentil. Hein, c'est gentil. Merci à vous, on peut les applaudir. Star Trek French Club. Longue vie et prospérité à vous tous. Vous en prie, et derrière, sur scène, mesdames et messieurs, The Mask et Jessica Rabbit. C'est chouette. C'est splendide. Exactement. Alors on parlait du Fury tout à l'heure qui doit avoir chaud dans ce... Lui il est bien là. Lui il est bien. Il s'appelle le cosplay cuisson à l'étouffée. Yes. Alors un petit mot, peut-être toi du coup, t'as peut-être plus la bouche de libre. On va faire les deux. Bon, alors un petit mot du coup sur votre costume. Moi c'est bien acheté. Et lui c'est la 5 costumes en 1. 5 costumes en 1. Voilà. Ça veut dire. Ah, c'est dû acheter. Il a tout acheté, mais ce qu'il y a, c'est que là. D'accord, il a fallu acheter plusieurs costumes pour en faire un, qui est le résultat là, final, The Mask, qui est déjà une licence qui remonte un peu, donc il faut avoir les références et tout, les plus jeunes, ils disent, mais The Mask. Un conseil, voyez The Mask, oubliez le film, le fils du masque. Sauf si vous voulez passer une bonne soirée entre potes devant des pizzas, vous dire, si, c'est machin. Mais alors, regardez The Mask, franchement, c'est chouette, hein, on va faire un petit tour comme ça, là. C'est splendide. C'est chouette, on peut les applaudir. Et c'était le dernier participant pour la catégorie groupe. Merci à tout bas, vous restez sur scène. Hein, on va rappeler la Syriane. Alors, si on pourrait avoir un ou deux représentants de la Syriane, pas toute la colonie parce que ça va être compliqué sur scène. Non, ça va être chaud. On va rappeler la Syriane, deux personnes de Star Trek French Club aussi. Voilà, parfait. Nickel. Et on va laisser du coup le jury délibérer. Bon, en plus, on l'a pas dit, mais ça fait aussi un moment que vous venez. Hein, à chaque fois avec des costumes différents, des choses comme ça. Là. Wonder Woman. La commune de The Mask. Non, on arrête là, on arrête. Non, ils sont immunisés. Ils sont immunisés à la menace. Ça leur glisse dessus. Est-ce que le jury a tranché? Déjà eux, non. Ah! Mais non, c'est chaud, hein? Faut qu'il n'aille pas, le chien. Ça galère. Je vois que ça fume. Il y a des choix là comme ça à voix haute. Nous, on va pas se faire manger, hein. De quoi? Star Trek. Étonnant. C'est bon. Qui est pour la série de Légion? Je me prépare, en fait, je cherche les issues de secours pour annoncer l'annonce de quoi que ça part par baston, parce que là tout le monde est armé, entre lui qui peut nous invoquer ce qu'il veut, eux qui sont armés, eux qui maîtrisent la téléportation, le résultat va être sympa. Oui, mais je sais bien, mais donc du coup, ça dépend, soit vous téléportez vous, soit vous téléportez tout le monde. Donc, le résultat pour les grands gagnants dans la catégorie groupe. Prêt? STFC, Star Trek French Club, bravo à vous! Vous avez gagné un magnifique sac en plastique avec des trucs dedans. Et la petite coupe au CR Galactic Days 2021 qui nous a été imprimée par Bureau Vallée. Moi encore, merci Bureau Vallée. Qu'est-ce qu'on fait sans vous? Sûrement pas grand-chose. Merci à vous, on peut encore toutes et tous les applaudir. Merci d'avoir participé. Ne partez pas, il reste un résultat. Non, mais vous, c'est bon, on est terminé. On fait les groupes ici. C'est vous qui avez voté. Tu repars du coup avec la coupe au CR Galactic Days. Des images que tu reverras dans 3-4 ans en disant pourquoi j'ai fait ça. Et le petit lot, les cadeaux, encore merci à Bureau Vallée, merci à vous pour la participation, merci à vous d'avoir participé en tant que votant, participant, et moi je vous fais des gros bisous.
Oui, j'allais y venir. En fait, je voulais vous appeler sur scène. Non, c'est pas la peine. Bah si, si, non, oui, qu'est-ce qu'on fait? Allez, ceux qui veulent, ils viennent, et puis ceux qui veulent pas, ils viennent pas. T'inquiète pas, ça reste en famille. Donc, le jury, qu'on peut applaudir. Merci à vous tous d'être prêts pour le jeu. On va faire la tête, c'est sympa. Et on va aussi remercier, donc... Ah bah oui, quand même. Ça fait pas ça dans les films, hein. Pourtant, elle gesticule dans plus de directions, hein. Ah, c'est pour ça. Donc, ah oui, alors du coup, vous êtes bien répartis comme ça. Donc, le jury, les trois personnes qui sont là, qu'on peut applaudir pour cette difficile mission que vous avez pu remplir. Voilà. C'est moi, je raconte des bêtises pendant une demi-heure, tu parles d'une mission. Non, moi, ça s'est très bien passé. J'espère que ça vous a plu. Et on va aussi remercier ces trois agréables demoiselles qui se sont occupées de toute l'organisation du costume, l'écriture du règlement, la relecture, le scan qui était là-bas. Il manque une personne qui est, je sais pas où, c'était le photographe qui était avec vous, Jérôme, qui est dans le coin. Tu vas le chercher ? Ouais, d'accord, bon, allons le chercher si tu le trouves. Merci à vous, du coup, pour l'organisation. Un petit mot, ça s'est passé comment ? Très bien. D'accord, c'est un petit mot, ça. Très agréable. Un magnifique moment, un magnifique week-end. Vivement l'année prochaine. Pas mieux. Bah quoi ? Vivement l'année prochaine, ça veut tout dire, non ? Ouais, c'est pas ça, c'est que je me dis là, on avait un petit mot. On vous retrouve tous l'année prochaine. Merveilleux. Et du coup, pour le jury, un petit mot, c'était compliqué, c'était bien, on revient pas. L'année prochaine, oubliez-nous. Tu seras mort. Ok. Un petit mot ? C'était très sympa d'être jury et c'était assez difficile à choisir, mais vraiment de très beaux costumes et bravo encore à tous les cosplayers. Voilà, c'est propre, c'est parfait là, depuis tout à l'heure, je... nickel. Et toi du coup, tu m'en veux pas trop, je t'ai oublié. Non, bah écoute, là, je vais essayer de faire le boulot pour moi, hein, voilà. Non, mais c'était très cool de faire le jury, parfois pareil, les costumes étaient magnifiques et puis, bah ouais, on se revoit l'année prochaine. Le rendez-vous, il est pris. Est-ce qu'on l'a trouvé ? Il est là. Non, cours pas, on a le temps. Cours pas, on peut l'applaudir. Il a bossé tout le week-end pour faire des merveilles photos sur le stand pour les cosplayers, qui vous a permis de voter, entre autres. Il nous a installé un stand avec une bâche et tout. C'est un amour. Merci à toi pour ton coup de main et pour avoir mené ce stand. Merci à vous d'avoir participé. J'ai pas regardé l'heure, 17h35. Bon, ça va, il vous reste à peu près 20 minutes encore pour déambuler dans le salon. Avant qu'on téléporte tout le monde dehors, je vous remercie. C'était le Capitaine Rébi pour vous servir. Et bravo aux présentateurs quand même, hein, parce qu'il y a assuré le show. On a entendu ? Culte-toi. Papa, aussi, moi, j'aimerais être plus beau dans le